Vraiment pas pourquoi. Bon, on les laisse sortir d'ici. Vous cherchez les meilleurs prix de toute la ville? Et je vous parle pas de hot dog, hein. Vous vendez pas que des hot dogs? Elle est où votre boutique? Parce que comme ça, je fais des économies sur les frais généraux et je répercute ça sur les prix. Belle initiative. Vous pouvez me croire. Vous avez quoi? Ben. J'ai des infos du genre que tout le monde a pas et j'ai des trucs que je vends sous le manteau. On a toujours besoin de renseignements fiables. Ça c'est bien vrai, mais si c'est ça que vous voulez, il va falloir payer en euros posines. Ça j'en ai pas. Désolé, c'est pas négociable. Mais revenez me voir quand vous en aurez, ok? Est-ce que je peux vous proposer autre chose? Si vous comptez rien... Achetez. Allez-vous. Juste des déchets, comme d'habitude. Docteur Attendat, je vais être sympa de la Les mains derrière la tête. Je crois que la fontaine... Ça m'énerve que les terroristes aient réussi. Ma copine est terrifiée à l'idée de prendre le métro. Eh bien, c'est ce qu'on va vérifier. Bougez pas. C'est là. Alors, vous n'avez pas de raison de vous inquiéter. Tu trouves que ça craint ici? Dans la rue? Je préférerais être là plutôt que d'être expédié à Golem City. Le magasin est fermé, crétin. Réception privée. N'oublie pas ta carte de validation. Doc Lady!
Fais voir tes papiers. Sinon, tu pourras pas passer. Je sais tout ça. Ça a changé. Trop de faux papiers. Maintenant, il faut une carte de validation de permis pour les augmenter. Tu l'as, cette carte ? Je vais régler ça avec les gens pour qui je bosse. Ils s'en occuperont. Et tu bosses pour qui, exactement ? Quelle importance ? Vous avez peur d'être moins gradé ? Pas du tout. Ces lois s'appliquent à tout le monde. De plus, je suis le directeur général du contrôle des papiers. Je ne rends compte qu'à Dieu. Et c'est lui qui me dit que si tu continues par là sans permis valide, je suis légalement obligé de te buter. Ah, vraiment ? L'ami, je sais ce que tu penses. C'est terrible, les lois contre les gens comme toi. Écoute, je peux peut-être te donner un coup de main. On pourrait trouver un arrangement. Quelle sorte d'arrangement ? T'as de la chance, je connais quelqu'un. Un expert en permification, un pro des documents. Il fait des permis, des cartes de validation. Et t'es tranquille. Grâce à lui, t'iras où tu voudras, quand tu voudras. Plus de galères. Qu'est-ce que t'en dis ? Ce pro des documents dont vous parlez, c'est lui qui commande ? Vous arrêtez des augmentés et vous leur offrez cette chance de traiter avec lui ? Va voir toi-même. Mon ami a des papiers pour les postes de contrôle, pour échapper à la police, pour entrer dans des quartiers de Prague que tu connais même pas. Vas-y de la part de Draomir. Je te donne l'adresse, ok ? D'accord, donnez-moi son adresse. Je veux savoir qui est derrière tout ça. Rekashka, tu verras une cour derrière l'immeuble. C'est facile à trouver. L'ami sera là-bas. Il te donnera la carte la plus récente. Paye-le et pose pas de questions. Milena serait plus jolie si elle se teignait pas les cheveux. Ne fais pas gaffe. On fait quoi, là ? Je suis sérieuse. Je l'ai vu hier soir derrière. C'est interdit pour toi ici, le câblé. Écoute, t'es pas sur la liste des invités. Je te conseille vraiment de partir tout de suite. Je me suis fait arrêter par Draomir à un poste de contrôle. Je viens de sa part. Il paraît que vous aidez les augmenter pour leur permis, en les améliorant. T'as le pognon ? Peut-être bien. Je peux savoir pourquoi je paye exactement ? Pour avoir ton nom sur la liste. Milena est en haut. Elle bosse sur ton beau permis tout neuf. Reviens dans une semaine. Il sera prêt, moyennant les frais de prise en charge. Et combien les gens paient pour ça ? Ah, les gens, les augmenter. T'as combien sur toi ? Mon pote m'a dit que ce serait gratuit, parce que je suis super sympa. Draomir aurait jamais dit ça. Il dirait quoi ? Un truc du genre, arnaque tous les augmentés que je t'envoie et récolte un max de pognon ? C'est comme ça que ça marche ? Écoute, donne-moi ce que t'as, et je mettrai ton nom sur la liste. Ça marche comme ça. Milena fait un super bon boulot. Franchement, elle en fait même un peu plus que ce qu'on lui demande.
crois que j'en sais assez sur ton offre et sur ton ami là-haut. Je vais plutôt tenter ma chance sans papier. Pour l'instant. Eh bien, comme tu veux. Mais ils finiront bien par venir frapper à ta porte un soir prochain. Commence un peu à m'inquiéter. J'aime pas l'ambiance dans les rues. Enfoiré de Traumir. Ok, on va aller voir. Quelqu'un devrait aller voir. Ouais, on est trop nombreux à vouloir notre part du gâteau. Y'a rien. Jamais assez bien.
Attends, j'ai entendu un truc. Un clodo, peut-être. Accès permis. J'espère que vous n'êtes pas Edward Broad, parce que vous ne lui ressemblez pas du tout. Vous pouvez me dire ce qui se passe ici? Des travaux manuels? Je crois que vous bossez pour ces escrocs là-dehors, à moins que ce soit le contraire. Je voulais pas être une arnaqueuse. Disons, un service social pour les mécontents. Pas d'augmenter laissé pour compte. Ça ressemble à de la contrefaçon. Je déteste ce mot. Je préfère activisme graphique. J'aide des gens à être d'autres gens. Et franchement, allez vous faire embaucher avec contrefaçon marquée sur votre CV. Vous trempez dans une magouille qui profite des gens et vous vous inquiétez pour votre CV. Non, non, je me suis mal fait comprendre. Oui, ma carrière est importante. Mais ça ne fait pas tout, et je le sais. Je deviens nerveuse quand je stresse. Et je stresse quand... Ce qui fait qu'empirer les choses. Bon, écoutez, j'ai aucune raison de flipper avec vous, hein. Vous êtes dans mon camp, pas vrai? Vous faites partie des gentils. Vous êtes pas comme Draomir. Je suis pas là pour vous faire flipper. Je veux juste que vous m'expliquiez. Je veux des détails sur ce qui se passe ici. Des détails? Bon, ok. En fait, j'essaie d'aider mes amis augmentés. D'après ce que j'ai vu, vous promettez de faux papiers aux gens pour les escroquer. C'est ça pour vous, les aider? J'aime pas les escroqueries. Non, je vous jure, je suis totalement contre les escroqueries. Ben voyons. Je vais mieux vous expliquer. Le gouvernement imprime ses permis officiels tous les mois. Mais comprenez-moi, ils ne les vendent qu'à leurs amis riches et aux militaires. Les autres augmentés se font virer de la ville parce que leurs documents ne sont pas à jour. C'est exactement ce qui est arrivé à mes amis.
Malgré vos bonnes intentions, vous travaillez pour des criminels. Ah bah bien sûr. Ça explique tous les types louches dehors. Et merci de me prévenir, hein. Le flingue sur ma tempe m'avait pas mis la puce à l'oreille. La ville sévit contre les faux papiers. Et mes amis sont déportés de toute façon. Ça faisait partie de mon plan. Évidemment, quand c'est devenu trop, bien sûr que j'ai voulu arrêter. Fallait le faire. J'avais peur. Daromir menaçait de me tuer. Il me regardait, comment dire, un peu comme vous en ce moment. Vous allez pas me tuer, hein? À votre avis? Je sais pas trop. Écoutez, le vrai problème, c'est Draomir et son poste de contrôle. S'il n'était pas là, les autres ne sauraient même pas vendre de la limonade. Mais vous pourriez... Vous me suivez? Vous croyez que je bute les gens comme ça? Ah non? J'étudie toujours toutes les options. Alors, poignardez-le. Faites-lui peur. Ou incitez la police à faire son boulot, je sais pas, moi. Draomir a parlé d'une policière qui l'a menacée. Elle traînait près de son poste de contrôle. Qui sait, finalement, il y a peut-être un flic honnête à Prague. Ça me semble plus sûr, en effet. Sinon, vous me demandez de m'attaquer à une bande de types en uniforme. Arnaqueurs ou pas. Toute la ville vous tomberait dessus. Mais bon, je vous laisse voir comment vous préférez procéder. Je vais tâcher de m'occuper de Draomir. Mais soyons bien clairs. Vous allez arrêter de faire des faux papiers, ok? Je déteste avoir des ennuis. Et par-dessus tout, je déteste que des gens souffrent à cause de moi. Plus jamais je ne ferai de faux papiers. Sauf si quelqu'un en a vraiment besoin. À ce moment-là, je ferai une exception. C'est vrai, quand on sait qu'on peut aider les gens, il faut tout faire pour, non? Ça dépend de ce que vous avez en tête. Mes faux papiers peuvent vraiment tromper les autorités. Enfin... Enfin quoi? Draomir inonde la ville de faux papiers. Alors ils les cherchent. Ils ajoutent des scanners, des numéros de validation. Si un de mes permis n'est pas activé dans la base de données de la ville, le document n'est plus qu'un bout de plastique. Vous êtes en train de me dire que les gens payent pour de faux papiers et qu'ils sont déportés quand même? Ça n'arrive pas forcément. Je viens de terminer deux permis. Et je crois qu'on peut vraiment aider ces gens, si vous m'en laissez la possibilité. Vous voulez bien? D'accord, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils s'appellent Edward Broad et Irinka Bauer. Draomir voulait leur faire payer 20 fois le prix normal. Mais vous pourriez leur donner les faux papiers? C'est Noël avant l'heure. Mais vous me dites que c'est du plastique, les gens sont déportés quand même, en quoi ça les aide? Je crois savoir comment les activer. À condition que vous marchiez avec moi. D'accord. Je vais trouver Edward et Irinka. En attendant, vous pensez être en sécurité ici? Quand ils sauront que Draomir a eu son compte, les autres me laisseront. C'est lui qui me fait peur. Au fait, il y a un coffre là-bas. Ils mettent l'argent dedans. Je vous donne le code. 2489. Allez donc vous servir. Et vous? J'ai une longueur d'avance. Ce serait sympa de ranger ça.
câblé dans la rue aujourd'hui. On en aura profité. Dégage, tas de ferraille. Que des attentats terroristes, c'est ça? Je crois que la fontaine leur sert de shield. Nietzsche, non, oui.